écoute, Luna, je n'ai rien contre le fait que tu viennes habiter à la maison, mais j'ai un fils. Il est encore très, très jeune et je crains pour son équilibre. Parce que, bon, tu es quand même un petit peu, disons, excentrique. Ah, c'est ça qui te gêne. Bah, mais tu n'as aucun souci à te faire. Tu sais, je me suis beaucoup calmée depuis qu'on s'est connus. Hein. Ah bon? Tiens, un exemple. Eh bien, ça fait des années que je me suis pas teint les cheveux en vert pendant mes déprimes. Ça, c'est fou. Et puis, tu sais aussi l'élevage de poules sur le balcon pour embêter le voisin, là. Eh bien, ça aussi, j'ai laissé tomber. Je n'ai même plus de trompette la nuit. Oh, bah, c'est bien ça, alors. Tu t'es drôlement assagie. Ben oui. Oh. Non, écoute, Claire, je t'assure, vraiment, c'est important pour moi. J'ai vraiment besoin d'habiter ici. À ce point-là? Mais oui, tu comprends? Quand j'ai su que Magali était partie et que sa chambre était libre, ben, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour quitter mon mari. Non, mais j'admire vraiment beaucoup ce que vous faites, parce que vivre avec des copines après une rupture, ben, c'est l'idéal. Enfin, tu connais ça, mais personne... Oh, oh, mon lumbago. Aïe, oui, merci. Ah, oh, ben, ça, qu'il dis-tu? Tu vas bien? Bon, eh ben, je crois que c'est difficile pour moi de te dire non. Génial! Mais tu me promets de faire des efforts! Oh, écoute, tu me connais! Tu vas voir, tu vas m'adorer. Bon. Il faut quand même que je demande la permission à Sabine, parce qu'elle aussi, elle habite avec moi maintenant. Mais Sabine, mais alors, il n'y a pas de problème avec Sabine! Ah, bon? Pff, après tout ce que j'ai fait pour elle. Ah! Moi, je te raconterai. Et puis, de toute façon, on s'est toujours entendu à merveille avec Sabine. Luna? Alors, ça! Sabine, c'est marrant, justement, on parlait de toi. Eh oui, non, mais tu vois pas de culot! Tu oses te présenter devant moi après ce que tu m'as fait? Bon, écoute, tu vas pas ressortir les vieilles histoires, il y a prescription. Ah, les vieilles histoires. Eh ben, en tout cas, c'est encore très frais dans ma mémoire, si tu veux savoir. Oh là 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 là. Bon, Jean-Alexandre t'a trouvé très moche. Voilà. Jean-Alexandre? Mais tu plaisantes, il était fou de moi. Enfin, avant que tu ne le violes à moitié pour me souffler, bien sûr. Alors là, attends, excuse-moi, mais j'ai jamais eu besoin de faire ça pour avoir un homme. Moi, je m'appelle pas Sabine. Non, mais espèce de petite gueule, non. Non, mais tu vas me dire. Mais qu'est-ce qui vous prend là? Mais vous êtes folle! J'arrêterai pas avant qu'elle quitte la maison! Mais non! Mais lâche-le! Mais Sabine, lâche-la! Enfin, lâche-la! Vous comprenez bien, mon petit Daniel, je suis très gêné d'habiter chez vous. Mais ce n'est pas un problème, Fred, je vous assure. Ah, mais pour moi, si, tout a changé à présent. Marc parti, je n'ai plus aucune raison de m'incruster ici. Écoutez, je suis ravi de vous avoir à la maison. Vous n'avez qu'à vous considérer comme invité. Non, 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 j'aurais l'impression de squatter. Avant, c'était différent. Marc était là. La présence de mon fils, qui surveillait mon petit cœur malade, rien de plus normal, mais là... Monsieur Malois, vous savez bien que pour moi, vous êtes comme un second père. Ah, ça, c'est vraiment très gentil. J'en suis très touché, mais je vous assure, il vaut mieux que je retourne chez moi et que je vous laisse savourer votre intimité. Ne vous dérangez pas. J'y vais. Salut. Bonjour. Alors, c'est ici. Ben, c'est pas trop mal, hein. C'est pas comme j'imaginais, mais c'est pas trop mal. Excusez-moi, qui êtes-vous, jeune homme? Je suis Charlie. C'est lequel, Daniel? C'est moi. Ah, j'ai eu un doute. Salut. Dis donc, faudrait que tu viennes me donner un coup de main pour porter mes valises. Vos valises? Ah, ouais. Oui. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? J'en ai encore 3 ou 4 dans l'ascenseur. J'ai des mâles dans le hall. Je sais, ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un défaut, je m'attache aux choses. Je comprends bien, mais... Mais je suis un sentimental, tu vois, c'est pas mal, hein. Je garde tout, mais tout, je garde tout. C'est-à-dire, ce matin, en déménageant mon sous-sol, j'ai retrouvé la guitare qu'on m'avait offerte pour mes 10 ans. T'imagines? Là, je l'ai gardée, j'étais comme un fou. Enfin, je sais pas comment on va caser tout ça dans l'appart, mais enfin, on va se débrouiller. Parce que, si je comprends bien, vous comptez emménager ici? Marc, t'as rien dit? Marc? Écoute, j'ai vu Marc, il m'a dit qu'il libérait sa piole et que je pouvais venir m'installer. J'ai pas hésité une seule seconde. Je viens d'un sous-sol au 17e étage,
Je sais pas si tu vois la promotion, quoi. De toute façon, j'ai payé 3 mois de loyer d'avance. Comment, Marc, vous a demandé 3 mois de loyer d'avance? Mais quoi, fallait pas? Je vois que mon crétin de fils a encore trouvé un pigeon pour améliorer son ordinaire. Quoi, j'ai pas bien compris, là. Rien. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé être prévenu, vous comprenez? Non, mais tel que je connais Marc, mon petit Daniel, il va vous prévenir en vous envoyant une carte postale du Pérou. Bon, allez, là, on discute. Pendant ce temps-là, il faudra aller débloquer l'ascenseur, allez. Oui, parce qu'il est bloqué, l'ascenseur. Ben oui, j'allais pas le laisser redescendre 17 étages avec mes valises. Allez, on y va. Hé, hey, le vieux, ça te dirait pas de nous donner un petit coup de main? C'est pas joli de se bagarrer comme ça, comme des chiffonnières. J'ai honte de vous. Ouais. Bon, on s'est laissé emporter toutes les deux, là. Vous êtes drôle d'idiote, hein? Ouais, t'as raison. Enfin, une chose sensée. Oh là là. Et au fait, je t'ai pas demandé, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah oui, dis donc. Eh ben, je suis venue me proposer comme colocataire, enfin, pour remplacer Magali, quoi. Et ton mari, alors? Ben justement, parce que si j'habitais ici, je pourrais enfin le quitter, j'en peux plus, là. Il me fait une vie impossible. Sabine? Tu lui as déjà dit oui. Ah bon, bah ok, y a pas de problème. Oh, les filles, je suis contente, vous pouvez pas savoir. C'est géant, voilà. Tu veux emménager quand? Ah oui. Ah bah, il faut déjà que je réunisse mes affaires. T'en as beaucoup? Non, c'est pas ça, mais il va falloir que vous m'aidiez à déménager rapidement sans qu'il s'en aperçoive, mon mari, là. Parce que sinon... Bonjour, on n'est pas en fanfare. Hein? T'inquiète pas, on va t'aider. Oh oui, on sait ce que c'est. Bon, eh ben, si on allait boire un pot pour fêter ça? Excellente idée. Oh oui, on va à la salle de sport? Ah oui, mais pas trop vite. Attends, il y a une salle de sport dans l'immeuble? Oui, tu vas voir, on y a des copains formidables. Eh ben, alors ne perdons pas de minute. Allez, attendez-moi. Ça y est, je vous parle. Non, mais dites-moi que je rêve. Non, surtout ne me dites pas que je rêve. Oh là. Mais c'est quoi, ça? Ça, c'est un Charlie, et ça, c'est des sirènes, c'est ça? Des sirènes. Non, on est des femmes, tout simplement, mais on sait nager. Oh là là, j'ai fait un choc. Mais vous savez, je suis juste votre voisin, j'habite chez Daniel, quoi. Enfin, on partage l'appartement ensemble. Mais là, je suis sous le choc, là. Vous êtes cogné, c'est ça? Exactement, j'ai cogné très fort le cœur avec la tête et ça fait très très mal. Oui, vu votre état, on vous croit. Bon, on y va, hein? Ben, si vous voulez un petit coup de main, mademoiselle? SOS Charlie, je suis à votre disposition. Mais vraiment, pour tout ce que vous voulez. Enlevez-moi ça, là. Très très bien. Bonne journée. Ben, finalement, je me demande si je vais pas regretter Marc. C'est pas possible, mais attends, tu te rends pas compte, je suis tombée sur elle, mais j'étais collée, elles m'ont collée. Les portes sont ouvertes, j'étais sur le mur, j'ai fait... Ah, attends, elles sont... Elles sont jolies, oui, c'est vrai. Mais jolie n'est pas le mot, Daniel. Elles sont plus que ça. Attends, c'est des minettes pareilles, j'en ai jamais vu, moi. Des minettes, ce sont plutôt des femmes, non? Mais attends. Les femmes de 20 à 40 ans, pour moi, ce sont des minettes. Moi, j'en ai même connu à 50 ans. Mais alors, des minettes. Oh là là, alors, c'est fou. Mais alors? Moi, j'ai jamais eu des petits lots comme ça, hein. Mais explique-moi, elles ont des copains ou pas? Ben, elles sont séparées de leur mari, c'est tout ce que je sais. Ça, c'est génial. Elles sont séparées de leur mari, c'est génial. Vous ça. Trouvez. Daniel, tu vas pas arrêter de me vouvoyer maintenant. J'ai l'air de quoi, moi? Bon, c'est vrai, bon. Excusez-moi. Faut que je m'habitue. Ah, j'essaierai de m'y habituer aussi. Enfin. Mais comment ça se passe, toi et les voisines, sinon... Ben, nous sommes des bons voisins. Oui, d'accord, mais intimement, je veux dire, quoi. Nous nous entendons très bien. Il nous arrive même de dîner ensemble quelquefois. Et t'es branché sur laquelle, toi? Aucune. Mais t'es difficile, toi. Non, c'est pas ça, Charlie. Mais ces jeunes femmes sont encore mariées. Et ce sont mes voisines. Alors, en ce qui me concerne, moi, je préfère que nos rapports restent ceux qui sont amicaux. Mais il est fou, mais dis donc, mais t'es fou, attends. C'est pas... Tu peux pas réagir comme ça quand t'as des petits lots qui habitent comme ça. Attends, excuse-moi, tu serais peut-être
pas, je sais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, non? Non, pourquoi? Non, non, mais attends, moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais un super copain, vraiment un copain d'enfance. C'est devenu une copine, on l'appelle Delphine, mais ça n'a rien à voir. Mais quand t'as des petits loups comme ça à côté de chez toi, tu peux pas le rester sans rien faire, c'est pas possible. Enfin, tu peux compter sur moi, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Alors là, je n'en doute pas une seconde. Bon, ben je vais aller me rafraîchir. On sait jamais. Je peux peut-être en coincer une dans l'ascenseur. Enfin, en croiser une. À tout à l'heure. Madame Bellefeuille, c'est vous? C'est vous? Oui. Je venais voir si vous aviez des nouvelles de Marc. Ah, il n'a pas téléphoné du Pérou. Je suis désolé, madame Bellefeuille, mais aucune nouvelle. Oh, ils ne seront pas contents, rester comme ça sans savoir s'il va bien. Oh, je suis trop malheureuse. C'est pour ça que j'ai pris son deuil. Oui, c'est pour ça que vous êtes habillée comme ça, oui. Oui. Oh, Daniel, ça ne vous ennuie pas si j'entre un peu chez vous? J'ai besoin de respirer l'odeur de Marc. Et je suis sûre que chez vous, il en reste. Oui, si vous voulez. Oh, non. Dis donc, Daniel, t'aurais de la mousse à raser parce que j'en ai plus, moi. Oh, mon Dieu! Comme il est beau! Non, 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 mais il y a des sales types. Non, vraiment. Non, parce que pour sortir de l'ascenseur comme ça et me piquer mes serviettes, c'est que... Non, il était fou, il était fou, il était fou. Mais si je... Mais si j'avais bougé, mais vous n'y pensez pas, il m'aurait agressé. Peut-être même avec un couteau. Eh, mais dans l'autre tête. On vit dans un monde. Non, on vit dans un monde, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Ah, bonjour Gérard. Si vous saviez, si vous saviez. Et moi, madame Bellefeuille, et moi? Vous, Gérard, mais que vous arrive-t-il? Et madame Bellefeuille, je suis affaire à un voleur. Mais oui. Non. Si. Et de la pire espèce. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Puis avec un sang-froid, vous glacez le sang. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Il a regardé un petit peu partout. Il a regardé droit dans ma direction. Puis là, il s'est jeté dessus. Sur mes serviettes, je veux dire. Il disait, oh, c'est super vos serviettes bleues. Puis elles sont gratuites. Il m'en faut deux. Mon vieux qui m'a dit. Mon vieux. Si. Si, si. Et vous? Oh, ben moi, Gérard, vous savez combien Marc était important pour moi. Mais oui, je le sais. On peut même dire que je l'aimais. Mais oui, je sais. Et quand il est parti, j'ai cru que ma vie était finie. Mais faut pas dire ça, madame Bellefeuille, faut pas dire ça. Eh ben imaginez, Gérard, que je ne suis qu'une mélinette et que je l'ai déjà oublié pour un autre. Comment ça, madame Bellefeuille, vous êtes amoureux? Oh, totalement, terriblement, intensément. Figurez-vous que c'est le nouveau colocataire de Daniel. Et il est beau, mais beau. C'est vrai? Et comment est-il, blond ou bon? Il est brun, frisé, juste comme je les aime. Mais madame Bellefeuille, mais Marc était blond, je vous le rappelle. Marc? Quelle Marc? Je ne connais pas de Marc. Moi, je ne connais que Charlie. 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 Combien je l'aime. Je comprends bien, madame Bellefeuille, je comprends bien. Enfin... En tout cas, les deux filles d'à côté n'ont pas intérêt à essayer de me le piquer. D'à côté, madame Bellefeuille, les trois. Comment ça, les trois filles? Ben, vous n'êtes pas au courant. Sabine et Claire ont trouvé une nouvelle colocataire. Luna, qu'elle s'appelle, elle est charmante. Luna? C'est un drôle de nom, ça. C'est... Oui. En tout cas, elle est très sympa. Très sympa. Mais comment est-elle? Ben, je vous le dis, sympa, mais je vous en dire plus, c'est difficile, quoi. Écoutez, allez à la piscine avec les filles. Allez voir. Ah bah c'est une bonne idée, je vais y aller tout de suite, j'ai à leur parler. Mais d'abord je vais me faire un petit coup de beauté. Partout. Comment elle est, comment elle est? C'est rien, mais c'est une femme quoi, une femme. Je crains bien que celui-ci soit encore pire que Marc. Qui c'est Marc? Ben, le voisin d'un côté, celui qui vivait avec Daniel avant l'autre. Il avait ses bons côtés, mais son comportement à la limite du supportable. Ah ouais. Et l'autre, Daniel, comment il est lui? Pas mal. Ah ouais. Oui, enfin, ça dépend des goûts, ça, c'est vite dit. Bonjour. Ah, tiens, madame Bellefeuille, bonjour. Bonjour, madame Bellefeuille. Je vous présente Luna. Madame Bellefeuille est une de nos voisines, très active dans les meubles. Enchantée, madame Bellefeuille.
Luna est notre nouvelle colocataire, Madame Bellefeuille. Je le savais déjà. En fait, je suis venue pour vous parler et je n'irai pas par quatre chemins. Charlie, le nouveau, il est pour moi. Il est une photos. J'ai une bonne nouvelle, Daniel. Ah oui? Oui, je crois que je vais vraiment bien me sentir ici. La chambre est vraiment cool, la salle de bain juste comme j'aime. Les voisines d'à côté, je t'en parle même pas. Alors par contre, c'était qui la grosse folle, là? Ah, Madame Bellefeuille, oui, c'était notre voisine. Non mais alors elle, Daniel, danger, danger. Elle faut laisser pousser les grandes herbes devant sa porte. Il n'y a rien à faucher. Bon, allez, faut que j'y aille, hein. Eh, c'est drôle, hein. Tu as le même blouson que moi? Non. Si, je t'assure. C'est exactement le même. Mais non, mais puisque c'est le tien. C'est mon blouson. Mais oui, c'est ton blouson. Écoute, je te l'ai emprunté, je me suis dit, on sait jamais, si je croisais les filles dans l'ascenseur, autant que je sois à mon avantage, quoi. Il va bien, non? Mais il vous voit peut-être très bien, Charlie. Mais c'est mon blouson. Mais ça ne se fait pas de prendre les affaires des autres sans demander leur avis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Daniel. Vous avez tout à fait raison, mais c'est pas la peine de vous énerver. Bah, écoutez, Charlie, hein, vous êtes sans doute très sympa comme mec, hein, mais je crois que ça ne pourra pas marcher entre nous. Je suis désolé, mais... voilà, je vais vous rendre les 3 mois de loyer que vous avez payé à Marc. On se serre la main. Et on se dit adieu. D'accord? Tiens. Vous voulez que je parte, c'est ça? Écoute, Charlie, un mot. Oui. Je le savais, mais la guigne, elle continue à me suivre. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'était trop beau, partager un appartement comme ça, avec un mec vraiment sympa, quoi. Puis avoir un petit peu de chaleur humaine, mais non. J'y ai pas le droit, ça, j'aurais dû le savoir. Écoutez, Charlie. Vous inquiétez pas. De toute façon, toute ma vie, ça a été comme ça. Ça a commencé avec mon père, ma mère, toute la famille, jusqu'à Ingrid, ma fiancée. Ingrid, ma fiancée, elle m'a quitté le jour où j'étais au chômage. Depuis, le chômage, oui, il m'a pas quitté. Bon, mais... Vous n'avez plus de travail. Mais non. Un comédien comme moi, ça travaille pas. On lui scie les pattes. J'ai trop de personnalité, je fais de l'ombre. Qu'est-ce qu'on m'a sorti? On m'a sorti 10 000 trucs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on a l'estomac vide... C'est dur pour jouer, c'est dur! Je suis vraiment désolé, hein, je sais. Ah, non. Pas de pitié, s'il vous plaît, pas de pitié, hein. J'ai l'habitude, je sais ce que c'est. Un jour viendra. Et est-ce que vous savez, enfin, est-ce que tu sais où tu vas aller? Mais quelle importance! Il fait pas trop froid, je peux encore dormir dans la rue. Oui, écoutez, Charlie, tout à l'heure, j'étais furieux, hein, c'est vrai, mais... Non. Culpabilisez pas. C'est pas de votre faute, je comprends. Avoir un beau blouson comme ça, on n'a pas envie de le prêter. Et... C'est normal. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que... Enfin. Ben voilà, tu n'es pas obligé de partir tout de suite. Ça peut attendre. Ah bon? Oui. Enfin, le temps de te retourner. Combien de temps? Ben, je sais pas, moi, le temps de... que tu trouves quelque chose. C'est-à-dire que... ce soir, je pourrais dormir dans un vrai lit, alors? Ben oui, bien sûr. Daniel, t'es un mec génial. Je peux t'embrasser? Ben... Écoute, pour fêter ça, je vais te préparer un petit repas. Mais bon, parce que tu sais cuisiner? Ah non, mais attends, je suis un grand chef. Tiens, attends, la fin du mois, je touche mon chômage, je vais te préparer une de ces petites paella polonaises. La fin du mois, Charlie, oui. On a dit quelques jours, hein? Oui, bien sûr. Charlie? Ouais. Charlie? Oui. Toi, Luna, nous avoir préparé ce petit repas. Bah, c'est normal, hein, je vous dois bien ça. Les filles, goûtez-moi cette sauce. Ah,
C'est spécial, hein. Alors ? Exotique comme goût. T'as mis quoi dedans ? Alors, j'ai mis du piment de Cayenne, du roquefort, du paprika et de l'ail. C'est pimenté, c'est une sauce qui pique, quoi. C'est ma spécialité. Gérard n'aime pas tellement les sauces pimentées, alors ça serait bien si tu pouvais la laisser un petit peu à part. Tu crois ? Oui. Bon. En tout cas, les filles, je suis très contente. J'aime bien l'immeuble, j'aime bien les gens, et puis j'adore Gérard. On a bien fait de l'inviter à déjeuner. Je suis sûre qu'on va bien se marier. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça vient d'à côté, là. Mais, allons voir ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, mais il est d'accord. Faut aller voir ce qui s'est passé, là. J'espère que Daniel n'est pas blessé. Oh, mais c'est chez les garçons. Mais c'est la cuisinière moderne. J'ai mes petites allumettes comme ça, ça fait un boum. Mais Daniel, il est où, Daniel? Daniel, vous êtes blessé? Il est là, vous êtes sûr? Je vous assure. Moi aussi, ça va, merci. Ah oui, au fait, je vous présente Charlie, c'est mon nouveau colocataire. Oui, on a vu déjà, merci, Daniel. Alors, c'est vous, Daniel, notre voisin? Oui. Eh ben, moi, je suis Luna. Luna, c'est... très joli prénom. Enchanté. Savez-vous que depuis aujourd'hui, je suis une des filles d'à côté ? Ah, c'est vrai ? Oui. Ah, ben j'espère que vous vous plairez ici. Mais j'en suis plus en plus certaine. Vous savez, elle vient juste de quitter son mari. C'est tout frais. Elle peut encore changer d'avis. Mais dites, je reviens de chez vous, mais j'ai dû éteindre le feu. C'était tout enfumé dans la cuisine. Oh là là, mais. Mon poisson, les filles! Il a brûlé! Oh non, il a brûlé! Ah, c'était du poisson? Oui. Celui-là, ça ressemblait plus à une grosse bretzel noire. On va d'accord, fini le festin de gala. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va se rabattre, restez là, les filles, on va se faire une petite pizza. Il ne reste plus que les olives, mais ça va aller. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. Gérard, je te présente Charlie, c'est mon nouveau co-locataire. Salut! Mais Daniel, c'est le type des serviettes. Comment ? Non, c'est rien, Sabine, je parlais de tout. Bon, puisque nos repas sont brûlés, hein, si nous allions tous au restaurant. Ah, génial ! Hein ? Ah, ben Daniel, oui, c'est une bonne idée, oui. Hein ? Ouais. Alors, où allons-nous, Daniel ? Voilà, c'est reparti pour un tour. Moi, j'arriverai jamais à rester toute seule avec lui. Ah.